Mesdames et messieurs, nous avons bienvenu sur Chanel Stand Up Lakaila, bienvenue sur Chanel Actualité. Alors même qui pourquoi abonner avec Chanel, ça n'a pas invité sur vidéo, ça même abonner et leur fin abonner, cliquez sur petit cloche de notification, retirez sous option personnalisée, voyez sous toute. Alors mesdames et messieurs, je vous dis à la, nous c'est 7 avril 2023, point qu'a fait actualité, c'est côté que FBI débarqué dans le pays d'Haïti actuellement. Et dossier que nous jouons, information que nous jouons, négoté passé dans résidence privée président qui négoté assassiné, qui nous déconne que négoté assassiné Jovenel Moïse. Alors américain lui-même lui fait suivi sous dossier hier qui était 6 avril 2023 négo entré dans capitale là, négo lavé capitale là, c'est pile investigation cap mené mesdames et messieurs. Alors, premier ministre Ariel Henry, son nègre là, actuellement la tête, mais c'est chaud parce que, nègre dirigé directement vers Colombien, yo, pour y aller, et mandé nègre ça, yo, plus explication sous dossier assassinat Jovenel Moïse. Eh bien, mesdames et messieurs, Colombien ça, yo, et clair et net et précis, nègre ça, yo, papa, regardez, yo même, qu'a pourri dans prison, et yo qu'a signé encore. Nous comptons comme américain, depuis le voyage FBI, kagin sot ki a kagin akor ki fait parce que gouvernement américain son gouvernement qui remet basé sou akor et le yo kembe yon moun non zak malhonnête yo besoin prend pi gros poisson parce que nèg sa yo ki nan prison actuellement nèg sa c'est ti poisson parce que c'est yo yo voye al fè zak la mais nèg ki en tête yo eh bien FBI a négocié avec nèg sa yo pour réduire sous peine yo, yo ka même di nèg sa yo ke y'a plagé yo si yo bay gros poisson, c'est-à-dire nèg ki té en tête la chef en tête là, fòk yo jwenn li. Eh bien mesdames et messieurs, n'a pote information pour vous et si c'est Ariel Henry qui nan tête mouvement ça pour aller gè courir dans la République, eh bien nous pral jwenn plus information nan audio ça pour nous comprendre ça qui a passé dans pays d'Haïti et sous chaîne internationale là n'a tourné encore pour vidéo ça copier link là à la gueule des groupes WhatsApp dans des groupes Facebook qui traite ça fait information non façon pour ca aider nous avancer en dans des ça n'a tourné encore. Mais agent FBI a DIA auditionné 4 Colombiens hier mercredi dans DCPJ. Dans une interview de Bay Radio Kiskeya jeudi a informé que Colombien agent FBI a DIA a posé question jeudi encore toujours dans DCPJ dans cadre enquête sur assassinat Jovenel Moïse. Faut nous dit nous apprendre tout agent FBI qui était accompagné juge instruction qui a mené enquête sur dossier assassinat Jovenel Moïse là. Oui, c'est Walter Voltaire, ensemble avec agent DCPJ, t'es retourné matin encore dans Kay, côté où t'es assassiné, chef l'État. C'était dans le 6 pour le 7 juillet 2021. Négaxam t'es créé en situation panique hier après-midi à Mayotte, dans Pétionville, côté où t'as tiré dans toute direction et t'es metté diffé dans une antenne police qui est installée dans la zone Mayotte. La police déjoué en tentative kidnapping hier au soir dans Delma 42, gagné un présumé kidnappé qui tombait dans troqué coup d'âme avec force l'audio. Secrétaire général association médicale haïtienne, Dr. Esther Ardouin-Louis Charles, confirmé attaque armée, Dr. Jacques Bonsi subi hier mercredi dans Pétionville, côté le recevoir balle et le sorti blessé. Nan pointe attaque nan visage. Dans interview Libaye Radio Kiskeya jeudi jodian, docteur Luchal rapporté, collègue li docteur Bonsi a prend soin dans l'hôpital dans Port-au-Prince après intervention après opération, état santé docteur Bonsi était stable d'après information Ardouin Esther Ardouin Luchal Libaye Radio Kiskeya. Président Association Nationale Propriétaire Station Servicio Anapros, Marc-André Derifons, confirmé qu'il y a un ratement de gasoline avec diesel dans Pompio. Dans une interview de Bay Radio, qui est journée jeudi, à la tête Anapros, la fait qu'on est ratement ça arrivé à cause responsable compagnie campé sous position pour ne pas commander produits pétroliers pour exiger l'État permettre de récupérer un stock qui est commandé. Puis loin, il fait qu'on est à cause de situation en compagnie. Il fait un pile déficit d'après ça lui-même l'y déclaré. Grand serviteur KNVA, maître Alex Compa, pas caché indignation d'après avoir insécurité à kidnapping non
la cause vodouisan yo ak moun ki remen danse rara al nan ville province pou yo fete rara comme sa droit, yon tradition ki ane sa semblé pa respecté plizye kote. Nan yon interview di Bay Radio ki ske a jounen jeudi a, Ougan Alex Kompa mande vodouisan yo kontinue jete dlo li men e pou mande loyo libere peya an ba gouvernement de facto Ariel Henry ap dirije. Nou pa dwe ap chache moun pa pou nou la gen responsabilite nou dwe pran chak fwa nap traverse an pil moman difisil nan la vi nou kom pep. Se deklarasyon pe Marc Henry Simeon fè nan yon interview de Bay Radio ki ske ya nan okasyon fèt pak la ak posesyon l'Eglise Katolik anonse pou demen vendredi sen. Mem platform ayisyen travayez nan edukasyon yo denonse nan yon konferans pou la pres jounen jeudi a ministre edukasyon nasyonal la Nesmi Maniga ki pa louvri ki pa fè suite avèk kaye doleyans li te mande syndika yo nan va gen pou ntande sekretèr jeneral syndika Rachel Louisin k'ap pale nan konferans jounen jeudi a yon lòt pa gen sekretèr jeneral adjoint Kari Lapierre li denonse sa li les dérives li di ki gen nan ministère éducation nationale pendant le fait qu'on est déjà déposé plainte nan ULCC contre yon ensemble moun li di ki proche ministre lan k'ap fè yo menace. En prélude à la journée mondiale propriété intellectuelle k'ap célébré 26 avril k'ap vini la son baptême fête de la propriété intellectuelle votre entreprise encourager la créativité et l'innovation responsable dans ministère commerce et industrie annoncé une série activités pour marquer date ça et puis sensibiliser davantage à public là sous droit propriété intellectuelle. Nan actualité a l'autre bord de l'eau moitié ville Montréal en Nafenwa toute l'école fermée et la rue chargée pied bois qui raché ces dégâts matériels qui étaient considérables nous étions capables de constater matin jeudi dans plusieurs côtés dans ville Montréal une tempête glace frappé ville ça qui trouvait dans l'est pays Canada. 11 pays dans Amérique latine nan parmi yo Brésil, Mexique, Argentine, Chili et Colombie yo annoncé yon alliance contre inflation pour faciliter échange commercial entre pays dans zone côté intégration économique la rete faible. Emmanuel Macron, président français a rencontré président chinois Xi Jinping jeudi a, il a essayé de joindre un terrain d'entente sous conflit ukrainien yo, mais deux présidents yo ont réaffirmé volonté pour le travail pour gagner et discussion pour la paix qui fait sans le pas cacher divergence yo gagner dans façon yo ouais dossier la guerre la Russie a mené non contre l'Ukraine. Président Commission européenne nan bon côté parle ou sur la von der Leyen les averti Pékin ballon mise en garde pour la Chine pas fournir armes by la Russie cap bataille avec l'Ukraine et il dit si ça t'a fait ça t'a nuit considérablement relation entre la Chine et Union européenne. L'Arabie Saoudite avec l'Iran yo officialisé jeudi a représentation diplomatique yo dans un délai de 2 mois dans le cadre d'une rencontre qui a été fait à Pékin après des années de tension entre deux puissances qui trouvaient yo dans le Moyen-Orient. Point ça yo avec divers autres pour faire essentiel journal là après-midi n'a prend une pause n'a tourner. N'a rentrer dans développement actualité a l'autre point dans actualité a agent FBI yo fait un autre descente jeudi a dans cas ancien président Jovenel Moïse côté il était assassiné même jour qui était 7 juillet 2021 il était à débarquer bien bonheur matin il était accompagné avec un juge de paix et puis juge instruction qui a mené enquête sur dossier assassinat Jovenel Moïse là où c'est Walter Voltaire. Il était arrivé ensemble avec des agents de DCPJ tout qui était là et puis yo fait fouille, yo fait prélèvement d'après ça nous apprendre. Mais faut que nous dit gagné agent FBI avec DIA qui était auditionné tout colombien
4 nan yo ki nan prison nan dossier assassinat Jovenel Moïse la. Maintenant Antoine Maisonneuve qui c'est un avocat quelque nan colombien qui nan prison pour participation au tagayen nan assassinat Jovenel Moïse la, et confirmé pour Radio Kiskeya agent FBI ak DEA yo auditionné 4 colombiens hier mercredi nan DCPJ. Nan yon interview li bay Radio Kiskeya jeudi an, maintenant Antoine Maisonneuve informé gagné colombien agent FBI avec DEA a posé question encore jeudi a dans DCPJ dans cadre enquête sur assassinat Jovenel Moïse là. Les critiquer pour ces dias les qualifier qui pas répondre à ça la loi tracée d'après avoir juge d'instruction déjà à travail sur dossier et puis gain l'autre instance qui a posé zac même genre. Demandé pour juge Walter Wisser Voltaire retirer colle dans dossier pour cette façon enquête là avancée en nos côté mettre Marc Antoine dans Maisonneuve qui t'est parlé dans micro Kétia Jean-Pierre Taylor. Ah oui, hier, effectivement, au niveau de la direction centrale de la police judiciaire, DCPJ, Port-au-Prince, il était épreuve approximativement 4 dans Colombie au clan prison en Haïti, il était mené par des agents, c'est triste, mais là, il était mené par des agents de la DIE et FBI et Alcandé. Nous procédons à la confirmation de cette information, même je dis encore dans le palais, voilà, nous demandé à quelques la Colombie, ça, pour habiller, pour mener encore, des CPJ, pour mener encore, pour faire agent, ça, et quand de temps de et tout juste. Nous confirmons ça. Et ça, c'est un véritable désordre, pour c'est durable. Et, ben, c'est pas sans raison qu'il faudrait que, jusqu'à présent, pas les pièces autorités judiciaires, même à réel, tout pas qu'à arriver, bah, explication par rapport à la question, ça, vous comprenez bien. Il y a des dossiers qui, et pendant par devant la juridiction haïtienne. Oui, c'est très important. Et ce qui est intéressant, c'est que le juge instructeur qui est désigné dans ce dossier-là, dans cette instruction, il a déjà commencé à poser des actes d'instruction. Il a déjà commencé le travail. Et puis, subitement, au temps de DIE, FBI, département d'État américain, un micro-journal, les dernières. Et quand est-elle voulu aller aux États-Unis? On rappelle déjà au dépôt 4 hommes montants qui étaient accusés de s'être impliqués dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Et depuis une période aux États-Unis, mais je ne vous dis pas là, ouais, c'est l'autre Colombien qui a attendu. Bon, tant pis. Moi-même, je pense que juge là tout, le juge Voltaire et Wilson Voltaire, il doit faire preuve de grandeur. C'est-à-dire, il devrait déjà comprendre la nécessité de s'écarter de ce dossier. Il devrait comprendre la nécessité de se déporter de la connaissance de ce dossier. Tu es sûr, vous n'êtes pas. Tu es sûr. Bon, même comme vous, c'est une offense, mais pas trop épatée. Et on va d'accord avec nous, ce qu'on est habitué à suivre. Et différentes déclarations. Et parmi une déclaration de Dieu, nous devons dire que jamais la lumière ne sera jamais faite dans le cadre de l'assassinat de Jovenel Moïse. Bon, c'est triste, mais là, ça fait mal, oui, parce qu'en tant que défenseur des droits humains, depuis qu'il y a crime, depuis qu'il y a assassinat, depuis qu'il y a exécution, depuis qu'il y a massacre, faut que la lumière soit faite. Mon identité, c'est que prisonnier colombien, ça y est. Une colombien, c'est Naïsel Franco Castaneda. Et deuxièmement, c'est Genel Alberto et Calmona Flores. Troisième, c'est Juan Carlos Yepes Clavivo. Et quatrième, ça a été Alcandia, c'est John Aero Suarez Ariglia. Et après, les familles ont été informées, mais présence non. Pour en tant qu'avocat, pas nécessaire, parce que pas bien, ça a fait pas dans un boulot avec le droit. C'est une déclaration de Marc Antoine Maisonneuve qui t'a parlé de préférence dans micro. Hervé Noël. Nèg aksam te simè et panique a hier après-midi dans Mayotte, Pétionville, côté t'a tiré dans toute direction, yo piqué difé dans yon antenne la police gagné dans zone Millet, yo t'a circulé à bord 3 machines avec plaque immatriculation service l'état d'après information qui rive joine nous. La police déjoué tout, yon tentative kidnapping hier au soir dans zone Delma 40B, zone Marcadieu. Youn nan ravisseur yo tombé nan troke kout zam
ak force l'autre yo gen deux l'autre qui t'est rivé échappé pour yo victime nan yo t'a pral kidnappé ya il était à bord yo machine était gen avec lui yo moun avec deux ti moun yo grand moun avec deux ti moun il est pas prend balle d'après information que nos jeunes men yo t'est tiré sous machine nan tout. L'autre point dans l'actualité qui toujours gain à ouais à question sécurité, secrétaire général association médicale haïtienne nan AMH docteur Esther Ardouin Louis Charles, il confirmé attaque armée docteur Jacques Bonsi subi hier mercredi en Pétionville quand il recevoir yon balle et le blessé dans poignette ak nan visage. Dans une interview de Bay Radio qui se a jeudi a docteur Louis Charles rapporté collègue li docteur Bonsi a pris soin dans l'hôpital dans Port-au-Prince après opération état santé stable d'après information docteur Esther Ardouin Louis Charles Bay sous cas docteur Geneviève Attis qui gagne plus passé 3 mois dans un kidnappé secrétaire général AMH la fait connait jusqu'à présent il pas gagne aucun nouvel otage là une situation qui bail communauté médicale là en pile qu'est cassé sous dossier démission dans tête l'hôpital sanatorium docteur Esther Ardouin Louis Charles fait connait après demande plusieurs membres personnel l'hôpital là qui m'a dit retourner sous décision ça il était obligé rester en attendant gagne une solution qui joigne sous dossier l'hôpital sanatorium là en côté dans micro Hervé Noël. Dernière information que j'ai, c'est que il était touché dans la main, il était touché dans la visage et tout. Le souci, il était touché. Mais l'autre information que j'ai, c'est que c'est un bandit a attaqué lui. Mais heureusement, il n'est pas kidnappé, il est sauvé. Donc, mais après ça, il est obligé à rentrer dans la salle d'opération. Il était opéré parce que c'était pas ça. Mais comment est la santé, docteur Bossier? Il était dit, la santé, elle était stable. Il était stable, il avait dit, il était craint pour lui. Mais pas oublié, son frère était prêt avant. C'était Pierre Bonsi qui était urologue. Il connaît une branche, c'est Jacques Bonsi, une branche qui est biologiste. C'est lui qui est responsable de laboratoire national. Donc, il était pour côté de la machine, il était bien avec lui? J'ai l'impression qu'il était bien avec lui. Je n'ai pas plus question ça, mais j'ai l'impression qu'il était bien avec lui. Nous avons déjà, il était fait pour deux jeunes médecins, il y avait un médecin qui n'en a eu, et puis il y a un docteur et Joël McIntosh qui était fait kidnapper. Donc, ça a vraiment déboussolé nous, décontrôlé nous, et ça commence à se battre capable dans le bagage encore, parce que. Comment ça pour faire. Maintenant, qui ça nous connaît le docteur Geneviève Assi, qui a été kidnappé, disons, mois passé. Ça fait le troisième mois, oui, qu'il n'y a pas de nouvelles. Troisième mois. Là, tu avais dit, là, c'est un mois. C'est un mois. C'est un mois. C'est un mois. Donc, c'est comme Dieu, c'est un bagage qui chavire, hein, que nous voyons ça pour faire. Et malgré ça, nous ne pouvons pas laguer, mais vraiment, le bagage, ça a été déjà arrivé, donc, nous ne pouvons pas faire. Mais nous-mêmes, qui avons appuyé, qui avons supporté le gouvernement Ariel Henry à la. Là, nous rencontrons avec lui. Exprimer préoccupations nous sur la sécurité. Nous n'avons pas aucun support qui travaille dans le magasin. Nous n'avons pas aucun support. C'est tout pour nous abréler nos avoirs. Pas aucun support qui travaille. Pas aucun support. Là, nous rencontrons avec qui ça nous dit, nous-mêmes qui supportons le gouvernement. Non, mais lié au courant de toute bagaille, là, nous rencontrons, c'est nous exprimer détresse. Nous exprimer et tout ça nous senti. Nous exprimer que nous pas capable encore. Nous exprimer rabois long. Nous exprimer tout ça. Mais malgré ça, nous, la société a bloqué. Qui ça a c'est pas qu'à faire. Mais c'est, il a cherché solution. Mais pas de, résultat. Pas de résultat. Est-ce qu'il concerne qu'à l'hôpital, le sanatorium, vous devez mettre là officiellement? Eh bien, non. Et par un maladie avec. Nous apprendre ancien chanteur vedette Tropicana, Daniel Larivière, qui c'est papa à Ali Larivière. Il est mort jeudi dans le pays des États-Unis, il a gagné 77 l'année. Animateur musique, Philippe Saint-Louis, confirmé nouvelle là pour Radio Kiskeya. Il salue des pas gros musiciens ça, il dit qu'il marquait musique haïtienne. Dans l'interview de Radio Kiskeya, jeudi, Philippe Saint-Louis écrit et décrit Daniel Larivière comme un génie dans la question musique. Il parlait de plusieurs compositions, Daniel Larivière, Toko, Tidadi, et Faire Côte Papa, il parlait tout, de Akler, un monde maléré. Il croyait Daniel Larivière, marqué musique haïtienne. C'était un monde qui était rémé payé, là, c'est tout, côté il était sorti au Cap. Les quoi qui était bail en pile valet. Alors, nous allons inviter nous, côté, ancien musique à succès, Daniel Larivière, c'est Jocelyne Tropicana d'Haïti. Nous tapons côté, un extrait dans une musique à succès.
Maestro Daniel Larivière qui mourit jeudi à ses papas. Aller la rivière. Alors je ne te promets li, nous t'ai parlé avec animateur culturel musique Philippe Saint-Louis qui a décrit et personnage là dans micro Kétia Jean-Pierre Taylor en côté. Premièrement ma problème bien bas devant disparition, m'a présenté sympathie moi à la famille La Rivière et de façon toute particulière à Henri La Rivière qui est très affecté par la disparition. Ça, je parle avec M. Matéa, M. vraiment inconsolable. Donc moi-même, moi j'ai une relation personnelle, je suis capable de jouer avec Daniel. Je travaille sur n'importe deux projets Daniel, je fais pochette album pour lui, mais écrit sur l'album pour lui. C'était ça me relève au génie. Parce que l'autre. Et Tropicana d'Haïti, et on veut dire que plus grand classique Tropicana d'Haïti, c'est quand même des compositions de Daniel Larivière. Depuis Souti Dadi, Tombé là, Frère Côte Papa, L'Homme Monde Malheureux, tu vois. Donc, la liste est longue. Et de titres à succès que Daniel composait. Et c'est où monde l'a composé, non seulement l'écrit parole, il fait arrangement. Monde qui était connu, où Daniel a travaillé, il dit que Daniel, c'est pratiquement identifié qui sait chaque instrument pour le faire dans la composition. Donc, bon, son monument qui tombait, on est quitté qu'un pile humilité. Moi, c'est ça, je suis capable de dire de relation personnellement avec lui. Et qui était une vision pour la musique haïtienne et qui, à un moment de la durée, était très inconfortable, s'il vous plaît, avec forme de production musique haïtienne, notamment le gagner, s'il vous plaît, à partir de la fin des années 80. Donc, c'est ça, c'est un grand bout d'homme, son mapou, son génie, c'est peut-être une figure et qui est plus emblématique que le grand nom produit dans le pays. Parlez-nous de parcours professionnel Daniel Larivière après Tropicana et l'été entré dans Tropicana et après qui ça il était fait dans carrière professionnelle. Pas vraiment connu qui ça Daniel était fait avant Tropicana. Pas vraiment gain information ça. Moi je connais que premier grand succès selon moi même que Daniel Balguin avec Tropicana. Moi c'est Tidadi, c'est dans les années 70 si me pas trompé moi. Par une période de qui durait un peu et plus que 20 ans avec Tropicana d'Haïti avant que par une rupture là qui par le fait s'ouvrir là fin années 80 entre le Tropicana et Daniel Larivière. Après et Daniel fait plusieurs projets solo. Daniel travaille avec paquet l'autre artiste, c'est capable de parler de Neto Raoul Denis Junior, que Daniel là, au moment de la durée était même descendre pas au prince Fontan avec Tiraoul pour travailler sur une série de projets. Et Daniel fait, et peut-être après qu'il quitte Tropicana, deux albums solo. Il produit Yon avec Anti Musique et ça me quoi saison 97-98. Et puis les gons on Daniel et La Rivière qui fait récemment en Troubadour que Arlé La Rivière petite lit et travaille sur lui et qui gagne un paquet l'autre artiste invité qui chantait sur lui. Donc Daniel Terrivon côté j'ai l'impression que c'était tout simplement observateur qui t'a suivi qui s'est passé et puis qui de temps en temps prêtait service et en tant que compositeur et arrangeur à d'autres projets. Il n'est pas intégré aucun autre projet après le Tropicana d'Haïti. Et il était tout simplement sur James Odzoulian et Chita observer et puis faire des productions personnelles. Et Sindadou, parlez-nous de personnages là en dehors de la musique, qui sont capables de dire nous? En dehors de la musique, il est capable de dire, et moi-même côtoie monsieur. Et son est extrêmement simple, c'est capable peut-être parler de rencontre avec Daniel Larivière, c'est à l'époque moi t'ai gagné un magasin Sidi moi la Pétionville, la complexe Arise. Et puis, me suis toujours montré, et puis, moi, un personnage, chita devant porte là, très calme, avec un livre, il t'appli. Et puis, là, moi, c'est monsieur, me vienne parler avec, me vienne, comme si, m'aille respect, parce que c'était pratiquement honneur pour moi, monsieur chita devant porte là. Et puis, monsieur, il dit que c'est côté, me l'était venu. Et puis, bon, là, il te remet, j'aime travailler, il vienne parler avec moi de musique. Et puis, de là, je suis capable de dire, il vienne des liens qui développaient. Ça veut dire, me font une période, peut-être, qui, presque un an, un côté que nous avons son base régulier et que monsieur était convenu qu'il a passé le et pratiquement avec pour le magasin musique avant de parler musique. Donc c'est pour nous dire que son équipe dit que moi-même, moi, je trouve que c'était un pile humilité, un pile sagesse. On a quitté très conventionnel tout et un homme de conviction. Ça veut dire au sentier qu'il y a deux séries de sujets pas négociés. C'est vraiment le périsse la colonie, demeure les principes. C'est comme ça que j'ai décrit monsieur. Et on a qui peut-être même obstiné, souvelé par rapport, souvelé avant.
valeur que la défendu et qui pas même quitté place pour faire concession. Donc c'est comme ça me dévoile, mais on est droite et le genre de haïtien que nous pas jouons encore. On est droite qui gon ligne la suivre, qui était attaché à la conviction et que ou qu'a difficilement dévié de conviction li, et puis on amoureux sur les deux de au cap côté le sortir, c'est presque un stade de passion, on va dire, et puis on est qui pas négocier à Haïti li tout. Donc moi-même c'est comme ça me t'ai ouais comprendre monsieur. Nous avons écouté Philippe Saint-Louis qui t'a parlé dans le micro Kétia Jean-Pierre Taylor sur réaction li après nouvelle la mort Daniel Larivière, ancien et membre Tropicana d'Haïti.